I was champagne, nigga. Yeah, my money insane, nigga. Yeah, I'm making it rain, nigga. But I was just on a plane, nigga. Buying gear, flying here. Fuck with you, heard, it's my time of year. If I'm in the club, I get 100 stacks. I'm always rolling up so I can love for that. Them niggas stole my swag, but I don't want it back, my nigga. I was on this, but I'm on the back. Dans la même catégorie des légers, 18e combat de l'événement, pour le coin bleu, le boxeur de la République démocratique du Congo, RDC, Mujiga. Yes. Sélectionné par le directeur technique national Lofanga. Avec une vitesse de croisière, 90 à l'heure même, je dirais, entre le Marocain, Zouar et Mujiga, un peu d'accrochage. Pour bénéficier de quelques secondes et récupérer un tout petit peu le souffle. Mais ça va vite, hein, ça va vite. Apparemment, c'est un combat de gladiateurs. L'erreur n'est pas permise ni à l'un ni à l'autre. Et surtout, le compatriote Mujiga Choisir. Coach, est-ce que la taille de Mujiga peut le trahir devant ce Marocain? Oui, oui, ça peut le trahir, hein, parce qu'il risque d'avoir un bon droit. Et il s'assoit directement. Alors, tu vois bien qu'il n'est pas précis. Il part aveuglément. Il n'est pas précis. C'est pas bien comme ça avec le Congolais. Hein? C'est pas bien. Oui. Le Marocain se déplace tout en reculant. Et cherche à casser vraiment la véritable garde de Mujiga. De petite taille, certes. Mais Mujiga ne baisse pas sa garde. Mujiga, il cherche le chaos. Hein? Oui, 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 il cherche le chaos. Et il attaque avec... un peu de précipitation, ce qui n'est pas permis, parce qu'il risque de perdre le souffle avant la fin du round. Tandis que le Marocain est précis. Hein? Oui, le Marocain est précis, mais jusque-là, il y a un peu d'équilibre entre les deux. Oui, oui. Il se touche rarement, mais ça donne quand même... l'image d'un combat d'honneur, un combat de prestige entre les deux pays, de réputation foot, mais le Congo dépasse le Maroc parce que... Le Congolais ne se fatigue pas, il est toujours en attaque. Absolument, oui. Parce que nous avons les meilleurs boxeurs qui sont titrés, champions du monde, etc. Mais je pense que Mujiga doit suivre les pas de Martin Bakole, ou alors Foreman Matabou. Là, l'arbitre est obligé d'intervenir pour les séparer. L'attaque de Mujiga.
conduisé par la garde de son adversaire. Le Congolais risque de se souffler. Hein? Je l'ai dit au début. Il est dans une espèce de précipitation. Il va vite. Alors que nous avons le deuxième et le troisième round. Ça fait 6 bonnes minutes. Et il est obligé de protéger, de garder son souffle. Pour, voilà. Là, il reçoit les consignes de l'entraîneur. On lui dit ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas. On le reproche de ce qu'il a mal fait. Pour qu'il évite de ne pas reprendre la même chose. Et on revoit. Les deux se sont touchés. Deux fois. Troisième fois pour le Congolais. Là, il a marqué un point. Il est pris dans les bras de Marocain qui égalise. On est à 3-3. Le Congolais reprend encore l'avantage. Il est à 4e, au 4e point. 5e. Là, il a boxé dans le vide. Le Marocain réplique, mais il échoue dans la garde. Ah oui, oui. Coach, oui. Là, ça compte. Retour en garde, oui, oui. Non, non. Lorsque un coup est donné, direct ou pas, mais ça atterrit sur la garde. La garde qui n'est pas. Ça ne touche pas. Ça ne compte pas. Ça ne compte, ça ne compte pas. Donc, l'avantage revient au Congolais Mujib. Qui a un léger. Un léger avantage. Et il doit absolument conserver cela. Et aussi marquer beaucoup de points dans ce deuxième round. Pour répondre à une victoire. Ses interventions, mais c'est l'arbitre. Il ne faut pas commencer à intimider la tête congolaise qui est dans le bon. Super crochet de droite du Congolais. Très bien joué. C'est la gauche. Le gauche, hein. C'est la gauche. C'est la gauche qui a failli l'envoyer au fleuve Congo. Et le Marocain est en train de voir des cabuges. Mais c'est l'arbitre, monsieur l'arbitre. Soyez au milieu du village. J'apprécie Mujina parce qu'il est intelligent. Il laisse le Marocain venir. Il crochet de gauche là, encore. Il en réplique. Crochet de gauche encore. Ah oui. Cible manquée, raté de la part du Marocain. Qui attaquait sa précision. Et le Congolais doit jouer avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de prudence aussi. Le Congolais est en train de chercher les KO, hein. Ah oui, mais il ne peut pas chercher le KO tout en perdant. Ah. Très bien joué. Bien joué, Mujinga. Avec des crochets. Très bien joué, Mujinga. Formidable. Formidable, Mujinga. Allez. Il faut conserver. Il faut attaquer. Allez. Les deux embrassent sur le tapis. Ça ne compte pas, coach. Ça ne compte pas, ça ne compte pas. Il y a eu glissage. Ça ne compte pas, il y a eu glissage. Ils ont glissé. Il y a eu glissage. On s'embrasse un peu d'accrochage, c'est permis en boxe. Oui, oui, non, c'est pas permis. En crochage, en boxe pro, c'est permis. Mais en amateur, c'est pas permis. Tout à fait. Tout à fait. L'attaque marocaine, la réplique de boxeur congolais, le génial, dans les bras de Joueur. Là, c'est tout le monde qui est debout. Namibien, Camerounais, Comorien, Éthiopien, Congolais, les deux, Sénégalais pourquoi pas. Le Marocain est fatigué aussi. Hein. Officiel comme athlète, public aussi, pour voir Mujina à l'œuvre. Tout le monde est pratiquement debout et personne ne veut rester assise sur son siège. Mujina et. Qui se sépare à l'instant à qui l'avantage. Bon, l'avantage, je vois que c'est au Congolais. Hein. Il est en attaque, il a marqué beaucoup de points, mais on peut dire sans style, hein, parce que la boxe c'est l'art. Tu peux attaquer, tu gagnes le combat. Oui. Non, je crois que ici, Mujinga a marqué le point. Hein, oui, oh, oui, il a marqué le point. Il a encore marqué beaucoup plus. Pour le moment, c'est de l'avantage de Mujinga. Oui.
Il attaque avec précision. Un côté de gauche. Un côté de gauche bien marqué. Encore un côté de gauche. Bien marqué. Encore un troisième côté de gauche. Et droite aussi. Et droite aussi. Non. Il a raté. Fujinga est bon. Il a déjà gagné deux rounds déjà. Ah oui. Deux rounds déjà, c'est pour lui. Il y a eu glissade, les deux sont tombés. Les deux ont été accueillis par le tapis. Baudouin. Je pense que le troisième round risque fatal pour le Marocain. Sincèrement, je ne m'attendais pas à voir un Marocain en difficulté face à un Congolais. Et j'ai eu l'impression que ça me rappelle un peu la trempe de Mike Tyson, qui était un frappeur. Ce garçon, c'est vraiment Mujinga. Il est un peu comme Mike Tyson. C'est vrai qu'il lui manque encore un petit rien qu'on doit arranger, mais enfin c'est un cogneur, comme on l'a dit. Tout c'est quelqu'un, quand il n'a pas un bon boxeur en face de lui, c'est un chaos qui peut arriver. Heureusement qu'il a en face de lui un Marocain. Les Marocains sont aussi assez bons dans la boxe. Il a la facilité de bloquer ses assauts. Mais enfin, le Marocain a eu pour son compte pour cet après-midi, ici, au gymnase André William Bokuchaba. Franchement, c'est un bon spectacle que nous sommes en train de vivre. Un combat de grande taille, un combat de précision. Comme je l'ai dit tout au début, Mujinga Frazier est en train de défendre ce nom de Joe Frazier, Ken Norton, Joseph Foreman à l'époque, Mohamed Ali Kassouskré, pourquoi pas. Et à cette époque, le Congo avait Mamba Shako, Chinzambay, Jean Chikuna et beaucoup d'autres comme Chimbombo Kuna, Makabu Foreman. Et bien, donc le Congo de la boxe est en train de remonter. Est en train de remonter grâce à la Fédération Congolaise de Boxe, dirigée par le général Ilunga Yolo. Le Marocain risque de tomber hein, parce qu'il laisse la garde. Hein. Oui, non seulement il a baissé la garde, mais il est fatigué déjà. Fatigué, il est et fatigué. Il a parti à Mujinga de l'attaquer, de le gérer avec prudence pour ne pas perdre les dernières secondes qui sont beaucoup plus importantes pour la République démocratique du Congo. Il y a encore plus d'une minute. Mujinga qui est toujours en action. Hein. Plus d'une minute, c'est beaucoup en boxe. Et Mujinga doit conserver ça. Donc, le Marocain risque de tomber. Ah oui, ça fera la joie, le plaisir de toute la République démocratique du Congo, le Congo de la boxe. Et voilà, nous sommes dans ce gymnase. À l'intérieur, nous sommes aux États-Unis, nous sommes à Atlanta, nous sommes à Paris, Marseille ou Lyon. Mais à l'intérieur, nous sommes à Kinshasa. Merci à Félix Antoine Sekedi Chilombo pour ce beau bijou. Alors que sur le ring, vous avez vu l'accrochage entre les deux boxeurs. Mujinga et Zouar, le Marocain, qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Peut-être qu'il y a un chaos qui plane quelque part. À travers l'un ou de l'autre, on ne sait pas encore, seul Dieu le Père connaît l'issue. Et c'est fini. Le combat est terminé. Le combat est terminé. Le Marocain peut s'encourager, c'est tout à fait normal. Mais clairement, logiquement, le Maroc a perdu, hein. Non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Nous demandons la réalisation de nous faire vivre encore une fois de plus les grands moments de ce combat, moment de ce championnat d'Afrique des Nations, des boxeurs amateurs que Kinshasa organise pour la toute première fois. Les jours passent mais ne se ressemblent pas, les années aussi, de Joseph Kassamboubou à Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, en passant par le maréchal Mobutu Sese Seko, Désiré Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. On n'a pas assisté à cette belle journée, à ce moment de plaisir, de joie, de sourire aux lèvres que Félix Antoine Tshisekedi a permis, a donné aux Congolais de passer en toute, disons, en toute confiance, et puis dans une installation nouvellement bien faite,
non seulement pour la boxe, mais aussi pour le tennis de table, la lutte, le volley, le basketball, le handball et beaucoup d'autres disciplines. Le taekwondo, le judo, le karaté, pourquoi pas. Et donc, le gouvernement de la République a fait un grand travail. Rappelez-vous de ces belles installations qui ont accueilli les Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, c'est la 21e édition du championnat d'Afrique des nations de basket, non, de boxe amateur. Dans quelques jours, nous aurons la CAN de handball féminin. Les jours suivants, nous aurons encore une autre discipline, une autre fédération. Et donc, il y a lieu de féliciter le gouvernement de la République sous la direction du président de la République, père de la nation, premier sportif du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Mujinga en bleu, Baudouin, Mujinga Foreman, pardon, Mujinga Frazier. Il est déclaré vainqueur par le split decision du boxeur out of the red corner. Le boxeur du Maroc. Coach, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça c'est les juges qui décident. Il y a la précision qui compte, précision des coups qui compte, comment tu places les coups, ça compte. Il a bien boxé comme un Français, mais sans contrôle. Il plaçait les coups, il donnait des coups, il faisait tout, mais pas de style. Si tu regardes bien, le Congolais n'a pas de style. Mais le Marocain est un peu imposé. Lui, c'est tout. C'est pourquoi on a donné l'avantage au Marocain. C'est ce que moi je vois. Parce que le style, la boxe c'est l'art. La boxe c'est le noble art. Il faut montrer l'art. Si tu ne montres pas l'art en boxe, c'est pas la boxe. On appelle bien noble art. Il faut montrer art. Il ne faut pas taper pour taper. On appelle bien ce